Certains, ils disent le musulman, tu dois cacher ses défauts. Donc faire une mise en garde ou une réfutation, c'est mettre les défauts de ton frère à découvert. Nous disons non. Là, tu as mal compris les nusus, là, mal compris les textes. Nous disons oui, nous devons cacher les défauts du musulman. Mais quand? S'il fait ses erreurs en cachette. S'il fait les erreurs en cachette. Par exemple, je vois un frère en train de boire le vin en cachette. Oui, ici je cache. Je viens, je lui dis, ah mon frère, je lui donne le conseil. Je dis, mon frère, vraiment, tu sais, l'islam interdit de boire le vin, c'est interdit, ce que tu fais, c'est pas bien. Hein? Je ne vais pas aller dévoiler ce genre, non, je cache. Ça n'a pas de problème. Mais lorsqu'il fait des erreurs en public, c'est pourquoi on a vu, hein, le cours précédent, on a parlé, quand on a parlé du truc de la médisance, les cas qui sont acceptés, on a vu quoi? Qui n'aura pas la médisance, on a vu celui qui fait quoi? La perversité de manière quoi? Ouverte, c'est-à-dire ouvertement. On a parlé de ça. Alors ici, là, s'il fait ses erreurs en public, il égare les gens en public, ici on doit réfuter ça en public. Ah oui! Parce qu'il est en train d'égarer les gens là. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont continuer à s'égarer. Car il n'y a aucune réfutation. Donc ici, on doit réfuter en public. Quelqu'un en train d'égarer les gens comme ça, tout de suite, oh, allez. Si c'était entre lui, ça dit que lui-même, il fait sa bida, ça c'est autre chose. Là, je ne veux pas aller. Il cache sa bida, il cache sa bida, je ne veux pas prendre ça, aller publier ça aux gens comme ça, non. Hein, sauf si maslaha et tout, mafsad et tout. Mais s'il fait la chose en public, on dit non, là, rad, on doit lui faire un rad. Et quand vous regardez même les réfutations des compagnons entre eux, sur le muta'a, sur le riba, mais lisez les kutub. On va dire que non, ici, là, on ne doit pas faire ça en public, ça doit être forcément en cachette ou bien comme ça. Non, tu as mal compris les textes. S'il fait ça en public, il égare les gens. Hein, comme des gens qui font des vidéos qui sont partout balancées dans le monde entier. Tu me dis, non, il ne faut pas que je fasse en public. Non, ici, on doit faire en public. Donc, ça montre clairement que les salafs n'ont pas compris, hein, que le fait de cacher les défauts du musulman, c'est ce que ça signifie. Ça signifie que si quelqu'un fait des innovations, si quelqu'un égare les gens en public, on doit se taire. On doit pas faire la réfutation en public. Jay, ça, c'est une erreur de comprendre ça. Alors, Inch'Allah, on va s'arrêter ici concernant